Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Ce matin, une belle petite réparation. Tu vas avoir du fun. C'est un petit cowboy. Puis quand on l'allume, le pied se fait aller, il joue de la musique, puis il joue du violon. c'est beau, bravo. C'est une belle figurine. Je vois qu'elle a déjà été accrochée un petit peu ici. Fait que, première affaire, je l'ai étudié au début. Son problème en passant, là, avant d'aller plus loin, là, c'est de la remettre à l'envers. J'enlève des batteries. Les batteries ont coulé dedans, puis il y a une patte qui a cassé en plus. Fait que, va falloir, je me trafique quelque chose pour remplacer les pattes. Pour le travailler sans le briser, c'est sûr et certain que je vais le démonter de là. J'ai quatre vis ici. Sachant avoir déjà démonté un peu des appareils comme ça, des choses comme ça, des figurines comme ça, le bras il est pris, c'est juste snappé. Fait que, va falloir je trouve le moyen de déverrouiller le bras de là. Je me trompe pas. On va y aller lentement, mais avant de faire quoi que ce soit, là, ça me tente pas bien de l'abîmer. Il est vraiment beau. Je vais mettre un tape alentour parce que c'est bien facile à écorcher ça. Ça prend pas grand chose. On met ça dedans. Et voilà. On lui a fait un gros plaster à notre cowboy. Bon, ben, j'ai sorti des pattes. Des pattes pour les batteries. Là. Je les ai sortis. Ils étaient vraiment pris dans. On va nettoyer ça comme il faut. Je vais laisser du contact cleaner là. Une petite brosse à dents. Tiens. Je vais, tant qu'à être ici, on va nettoyer ça. Ça, c'est. Je vais nettoyer la switch pour l'allumer. Il y a beaucoup de poussière. Un petit contact cleaner. On est dedans, là. Ça prend 30 secondes. Ça, c'est fait. Puis, il y a un bouton de volume en dessous. Il est ici. C'est fait pour ça. C'est aussi bien de le faire. Hein. Puis, quand je vais avoir fini, je vais même le lubrifier un petit peu partout. Pour qu'il fonctionne numéro 1. Et voilà. On va y passer un petit coup d'air dedans pour le mettre au propre. Bon. Celui-là, j'ai vérifié. Là, j'ai trouvé. Là, il y a un petit caoutchouc noir en arrière de la pâte ici qui l'empêche d'aller trop loin. Puis ici, il devait en avoir un. Celui que j'ai retrouvé tantôt, là, qui était tout pourri. Il est tombé. Fait qu'on va nettoyer ça. Pour faire une réparation durable, là, au lieu d'avoir des petites pattes de même qui plient, qui à longue, ils peuvent casser. J'ai des supports à batterie, moi. 4 piles d'or. 59 cents. Je vais aller retirer le ressort qui est dedans. Puis je vais aller soit le souder. Probablement, je vais être capable de le souder en place. Pour les remplacer. Pour vraiment faire de quoi de plus solide. Fait que... On va sortir un ressort de là. Ça, ça va aller là. Ça va remplacer carrément les petites pattes. Ça va être beaucoup mieux comme ça. En masse solide. C'est pour des batteries. Et voilà. On a un beau ressort de souder. Fait que j'ai remis des ressorts à cette heure. Les batteries rentrent dedans, ils tiennent bien mieux qu'avant, je suis sûr et certain. Tout nettoyé, ce qu'il y avait à nettoyer. On met les batteries dedans.
Avant d'aller plus loin, là, de remonter tout ça, je vais vérifier si aux deux pins, j'ai bel et bien mon voltage. Fait qu'on avait dit celle d'en arrière. On va positionner ici pour qu'on puisse le voir. Fait que j'ai trois batteries, 1.5 volts, des fois un peu plus que ça. Donc environ 4.5, peut-être un petit peu plus. J'ai 4.8. Donc je pense que ça va fonctionner. Hein. On ressort des fils. Ah ben je pense qu'il est plus malade que ça. D'après moi, il est plus malade qu'on pensait. Parce que là, j'entends un son. volts. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Il semble être plus malade. Vous voyez que le petit moteur, il ne veut pas. Ça va plus loin que ça. On va essayer de trouver ce qu'il y a. Ça faisait trop longtemps qu'il était arrêté. Imaginez-vous que... Hey, je pensais jamais que c'était le même. C'est carrément un tape cassette. Hi! Ah ben là, là, je pensais avoir tout vu, là. Mais... Mais, il me reste encore des choses à voir. Dans la figurine, ce qui fait de la musique, moi, je m'attendais à un petit module électronique, comme on retrouve aujourd'hui un peu partout, qui fait de la musique. Non, ce système-là, je sais pas de quand ça date, mais c'est des années 80 en descendant. Peut-être 90. Imaginez-vous que c'est un magnétophone qui fait la musique là-dedans. Il y a une petite tête de lecture, comme un magnétophone. Il y a un ruban qui fait toujours la même chanson qui tourne en rond. Tout le temps. Puis, il y a les petites parties de magnétophone. Si je le pars, je donne un petit coup. J'ai mon voyage. Je croyais avoir tout vu. Fait que c'était pas juste les batteries, il y avait vraiment un problème à l'interne. Là, je vais essayer de... On voit qu'il y a... Il y a de l'âge dans le corps, là. Il y a comme des misères à virer. Il faut lui donner un coup pour le partir. Puis là, il va repartir. Je vais essayer de le réajuster pour qu'il fonctionne comme du monde. Ben, c'est quand même une belle pièce que ce serait le fun de conserver. Mais ça me surprend que le ruban fonctionne encore. Je vais aller voir le mécanisme plus beau. Ça, je vais essayer de le conserver tout ensemble. Mais je vais aller voir le mécanisme plus beau. Parce que le moteur est en dessous. Et voilà. Elle a même pris une forme. Ça faisait tellement longtemps qu'elle était arrêtée, elle a pris une forme.
Ça, je voulais montrer. Hein. Bon. Regardez l'encaveur qu'elle a fait. Que moi, je vais essayer de me trouver un lastique qui est pas mal de la même chose. Puis je vais le remplacer. On va être resté avec ça. Bon, ce matin, j'ai vérifié. C'est un petit lecteur à ruban qui est à l'intérieur. Le problème, c'est que la courroie est finie. Le ruban, il est fini. Il est tout étiré. Mais c'est ça qui entraîne, pareil, le mouvement pour le personnage, pour qu'il tourne, pour qu'il bouge, autrement dit. Ça fait que il m'est venu une idée. À peu de frais, je pourrais enlever l'histoire de cassette ici et plutôt mettre un mini lecteur MP3 avec une mini carte USB. Mini carte SD, micro SD, puis mettre la musique qu'on veut dedans. Je m'arrangerais pour que le bonhomme continue à bouger, mais que la musique viendrait maintenant du mini lecteur MP3. Ça me prend un Arduino qu'on appelle, un micro Arduino, j'en ai un ici. Ça me prend un petit lecteur MP3, brancher ça ensemble, et c'est fini. Je pourrais même faire en sorte qu'il soit relié après ce qui existe déjà, puis enlever le lecteur à cassette. Parce que c'est sûr que ça ne durera jamais, ça. J'ai le goût d'en parler à mon client, puis tenter l'expérience. Je suis à peu près sûr que ça va fonctionner, là. Mais il faut que j'aie l'accord de mon client, pareil. Mais ça serait une belle expérience à monter. Puis il y aurait son cowboy maintenant pour X nombre de temps qui fonctionnerait sans problème. Puis ça fonctionne déjà avec 3 piles. Donc, un Arduino fonctionne à 5 volts. Ça fait que je suis pas mal dedans déjà. Je me demande même si je serais pas mieux d'y mettre un adaptateur pour qu'il puisse le faire fonctionner électrique avec un adaptateur. Je vais revenir avec ça avec mon client. Je vais y en parler. Je vous reviens. Merci.